Nouvel épisode dans Terminator Résistance. Tout de suite, on continue la quête principale avec retour à Pasadena. J'ai reçu mes premiers ordres en tant que membre de l'unité TechCom. Le commandant Baron souhaite que je retourne à Pasadena pour récolter des infos. Pasadena, c'est la toute première ville dans laquelle on commence l'aventure. Ma mission est d'y prendre en photo les nouvelles installations de Skynet construites pour préparer l'arrivée de la ligne d'annihilation. J'espère pouvoir prouver ma valeur à la division du Sud, donc objectif, aller à Pasadena. Alors, on pourra en profiter également pour faire des quêtes secondaires. La première, créativité. Patrick m'a demandé de lui rapporter une boîte de crête chez lui. D'abord, je vais devoir trouver la maison de Jennifer sur la côte de laquelle il y a un panneau. Attention, cette mission semble insignifiante. Peut-être qu'il a tout compris. C'est sa manière à lui de mettre de la couleur dans ce monde morose. Ou peut-être que j'ai trop d'espoir. Ça, c'est le petit gamin du camp qui me l'a demandé. Et ensuite, la planque de Colin. Erin m'a dit que Colin avait laissé un paquet à Pasadena lorsqu'ils se sont enfuis. Je devrais inspecter la planque de Colin pour voir si j'y trouve quelque chose d'intéressant. Rivers, are you receiving me? I am. Good. I marked vantage points on your map. Use them to take pictures of the Skynet installations. And although this is a recon mission, you have clearance to engage at will. Over and out. Alors auparavant, on a pu récupérer une arme laser, ce qui va nous permettre d'attaquer les Terminators sur la map. On voit ici en jaune les missions principales et en bleu les quêtes secondaires. Bon, ça commence bien. On peut voir que cette nouvelle arme est d'une efficacité redoutable. C'est parfait, c'est ce qu'on avait besoin. On peut voir qu'avec notre système de détection, on peut prendre des photos maintenant. Il n'y a pas qu'une seule araignée là. Toute seule. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a un truc sympa à prendre ici? Et de l'autre côté. Putain, j'avais dû déjà pas mal forcer. Ah ouais? Ah c'est marrant ça, j'avais pas fait gaffe. Ah c'est parce que j'ai augmenté ma capacité de crochetage et à mon avis je dois pouvoir la jouer en force. C'est pas mal. C'est notre entrée. Moi, ce que je veux, c'est des objets à choper, moi. Des munes, des... Plein de trucs sympas. Faudrait que je regarde si je peux piquer des trucs sur les containers, j'ai pas regardé. Continuer par là. Un T-47. It's Skynet's newest walker type HK. If you can, take a photo of a functioning unit that we can analyze. Over and out. D'accord. On m'a demandé de prendre des photos. On m'a pas demandé de. Ah non, je peux juste tirer dessus.
n'est pas très loin d'un des objectifs là. Ça l'avait bien attaqué déjà mon. That's gotta be Colin's hideout. Ouais. J'ai juste récupéré le matos parce que. Ici, ici. Oh là, c'est quoi ces lasers? Piège laser. Si vous avez un niveau de compétence explosif, merde, je crois que j'ai pas beaucoup donné de points là-dedans. Vous pouvez désamorcer temporairement ou même récupérer les pièges laser. Approchez-vous du piège, appuyez sur E, ouais, c'est du classique. Pour le récupérer. Like Colin rigged this place with traps. Better be careful. Ok, allez, oula. Ouais, c'est du temporaire alors. C'est par là. Oula, 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 pourquoi je peux pas sauter dessus là? J'aime pas trop ce genre de mauvaise blague. Ouais, l'idéal c'est ça quand même de les récupérer. Hein. Surtout si je dois quitter la zone en urgence. Je serais content de pas avoir à me soucier de tout ça. Forcé. C'est bon ça. L'hospitalité du Sud. Si vous lisez ce message, c'est que vous avez réussi à passer mon système de sécurité. Bravo! Vous devez en avoir dans le crâne. Ouais, de toute façon, sinon je me suis fait péter. Mais comme vous l'avez déjà remarqué, je suis plutôt protecteur. Donc si vous avez un peu de bon sens, vous allez remettre tout ce que vous avez essayé de prendre et dégager. Mais si vous êtes un de ces Terminators et que vous lisez ça, tant mieux pour vous. Je ne savais même pas que vous étiez capable d'un truc pareil. Comme on communique, je vais vous demander une faveur. Pourriez-vous me dire pourquoi vous avez besoin de dents? Ça fait un moment que j'y pense maintenant. Je veux dire par là que vous ne mangez pas, vous ne mastiquez pas. Et je suppose que vous ne lavez pas les dents. Alors pourquoi en avoir? Alors est-ce que c'est pour ressembler à des humains? Donc ça c'est un autre document qu'on a chopé. De la pharmacie. There has to be a hospital nearby. D'accord, on en a pas terminé donc. Stimulant de combat. Pendant une courte durée, vous pouvez utiliser différents stimulants pour améliorer votre vitesse, robustesse ou réflexe. Pour utiliser les stimulants de combat, assimilés à objectif défensif. D'accord, c'est l'équivalent de la trousse de soins. Faire le plein de mun. Hein. À l'abri de rencontrer un Terminator. Planque de colline, ok. L'hôpital est par là. Une autre chemin. Bruit bizarre par là.
T-825, qu'est-ce qu'il a de particulier hein? Faire exploser la... l'armor, ok. Araignées. La question c'est est-ce qu'elles vont putain j'arrive pas à retrouver le alors là c'est assez marrant cette porte à crocheter sert complètement à rien alors c'est ici là il y a à faire péter. Rappelle qu'il y avait une note. Elle me nargue. Elle se tient là, me narguer. Elle a survécu au jugement dernier, a résisté aux pluies acides, à la poussière atomique, au Terminator, au CTR, je sais pas ce que c'est. Et j'ai cassé mon putain de couteau en essayant de graver mon nom sur ce truc. Tous les jours, je passe devant, aucun mur ne la soutient, mais elle ne bouge pas d'un pouce. Je refuse de croire qu'il n'y a rien de l'autre côté de cette porte. Je parie que si j'arrive à l'ouvrir, la guerre prendrait fin. Plus de scanner, plus besoin de pied. Alors là, je suis... médusé sur ce histoire de porte. Ouais, je vais l'ouvrir, moi, tu vas voir, la guerre va pas prendre fin. Ah, 30%. Oh, putain. Oh, il se passe rien. Ah, plus d'espoir. C'est quoi ça? En fait, c'est un trophée. Et l'intitulé c'est ouvrir la porte impossible à ouvrir. Rigolo. Alors en termes de compétences, j'étais niveau 3. Par là, on va remonter. Attention parce qu'il y avait un Terminator qui se balade par là. Et un lance-flamme. C'est un oiseau. Décidément, saison des trophées. Parce qu'on a détruit un Terminator lance-flamme en tirant dans son réservoir. Bon, j'avoue, j'ai tiré dans le bonhomme après. Des choses sympas ici.
bah dis donc. J'ai eu un petit peu de chance sur ce coup-là. Un passage, une sauvegarde. On sauvegardera en venant. Ce qui lui arrive, lui. Waouh. Putain, si c'est des systèmes de défense. C'est assez balèze. Je tenterais bien une petite élimination avec ce gadget là. Efficace. On l'a fait ici. Ça me dit bien qu'il avait un pote. Ça change la donne quand on peut leur déglinguer le derrière. Ok. Par rapport à nos objectifs, on est où? On se rapproche. Ils aiment pas, hein, les réserves à plasma. Oh merde! C'est vrai que j'avais oublié qu'ils avaient tendance à mourir en deux temps. Hein. Attention, ne pas se faire sauter le caisson. Ah,
ça y a rien. Sous-sol. Un sac, c'est souvent plein de bonnes choses. Oula, oula, oula. Non, c'est bon. C'est carrément un réseau souterrain. Ok, j'ai bien envie de revenir quand même sur mes pas là parce que je pensais pas que ça. Progression serait comme ça. On va utiliser la. Il y avait une save hein, quelque part. Ouais, voilà. Fonction de l'angle sous lequel on attaque. Fabriquer un axe, qu'on soit tranquille avec ça. Ça brille bizarrement. Se remettre en discret. Alors ici il y a un objectif. Waouh. Système actif. Ah non, c'est du lourd. Hein. On peut grimper par là. Alors, qu'est-ce que l'on a là ? Lieu de repos. Peter, il y a encore des gens là dehors et dire que tu croyais qu'on était les seuls à avoir survécu. J'ai décidé de rester avec eux un moment. Je ne pense pas que la zone soit sûre, mais j'en ai assez de m'enfuir. Tu sais, on ne rajeunit pas. Il y a ce gars, Ryan. Il a notre âge. Quand je le regarde, je me rappelle combien on a vieilli. Tous ceux qui ont survécu au jugement dernier croient qu'ils ont une histoire à raconter. Tu sais ce qu'il m'a demandé? Il m'a demandé si je me souvenais du goût du café. C'est une belle façon de briser la glace, tu ne trouves pas? Je pense que vous entendriez bien tous les deux. Mon tour de garde se termine bientôt. Tu me manques et le café aussi. On va mettre récupérer un historien. Ça, c'est parce que j'ai dû récupérer un certain nombre de notes depuis le début. Mode appareil photo. Utiliser les lunettes ultra-vision améliorées pour prendre en photo des installations de Skynet et des ennemis. Alors, vu si on avait l'habitude, viser la cible pour que la qualité de la photo soit au moins bonne. Parfait. Mauvaise. I'm sending you the first set of pictures. That's exactly what we need. Move to the second point. Alors, ça doit être l'hôpital ici. Merde, j'en ai trop. Peut-être me soigner. Ah oui, non, d'accord, c'est trousse de secours 2. Ils sont plus grandes. Par contre, c'est chiant, j'ai pas gagné de points d'XP, j'aurais bien augmenté mon. Tapir, ça, qu'est-ce que ça prend comme place? Ça m'embête de jeter des armes, mais bon, sont aujourd'hui, je suis plutôt sur du très lourd, puissance de feu.
Dispensary. This is it. Looks like Colin was really prepared. Or maybe he was planning to open his own pharmacy once this was all over. Huh. Aaron will appreciate that. C'est terminé. Nice. C'est toujours plaisir. Donc une quête secondaire terminée. Trophée G. La priorité. Ça c'est parce qu'on a terminé 5 missions secondaires. Compétences. Sac, sac, sac. Est-ce qu'il est mon sac? Yes. On va peut-être même récupérer mes armes. Par principe, j'aime pas déposer des armes dans un jeu comme ça. Ok. Coucher. Oups. Ok, bon, ça c'est fait. Next. On va se diriger par là. Alors, on a toujours quand même une quête où il faut qu'on... Voilà, Scanet continue de mettre au point de nouvelles technologies à une allure inquiétante. L'une de ses dernières créations est un T-47, un Terminator de type Marcheur, qui vient d'arriver à Pasadena. Le commandant Baron veut que je prenne en photo une unité en marche afin d'analyser ses faiblesses. Ils me disent pas par contre qu'il n'y a pas d'indice hein, où il peut être. Avant-poste Skynet. Pour désactiver un avant-poste, vous devez détruire le générateur. Vous pouvez aussi pirater l'ordinateur principal et prendre le contrôle de toutes les tourelles. Oh, ça c'est intéressant ça. Commander, I've encountered Skynet's plasma storage. You have a green light to destroy any Skynet structures in Pasadena. But keep in mind that is not your highest priority. If you want to save ammo, overloading the main computer and any storage facility is Je suis bête, j'ai pas besoin de... Oula. Oula. Complètement mort. Thank you.
Détendre la tourelle. Ah, T-47. Il est là, Titi. C'est un monstre. La force est une autre méthode de piratage rapide. Sélectionnez le puits Skynet. Ah oui, d'accord. Maintenant, on va le faire. Ça va péter. Blackout. On pose du Skynet. J'ai au moins un point dans toutes les catégories. Alors le trophée, c'est parce qu'on a piraté un avant-poste. Ah, les tourelles, ça lui fait un peu de dégâts quand même. Il aime pas qu'on l'emmerde en fait. Hein. Bon, la toile le voit plus là. Ça va vite là, baby. Ça compte quand même. Joli. Joli, joli. Donc le trophée, c'est détruire le T-47 qui occupe Pasadena. Comme on pouvait s'en douter, il y a plein de trucs cool à récupérer sur lui. Là, je suis content de moi. Sauvegarder.
trucs à choper, hein. On a pas eu beaucoup de fails, hein, en crochetage forcé. Ouais, je pense qu'on n'est pas spécialement censé arriver là, mais bon, j'aime bien me balader, donc... Ah, faut qu'on grimpe là-haut, d'accord, pour notre objectif. Alors, j'ai pas du tout regardé le level design sous cet angle. On va peut-être revenir en arrière. Grimper, grimper, grimper. L'objectif, c'est de prendre des photos de toute façon. C'est un peu dur, hein, parce que franchement, il y avait écrit mauvaise, mais... Les autres, la lanterne, hein. Terrible. Parfaite. Second batch going through. Nice. One more to go. Encore une. De là maintenant. C'est marrant, on dirait qu'il y a un chemin par là. Ah, c'est une sortie, d'accord. Tout va bien, on se détend, je repars, je viens. Alors, est-ce que c'est les craies ou c'est encore un avant-poste? Oups. J'ai beaucoup aimé le arme inefficace si on a un autre carré. Ouais, ça, c'est les lance-flammes. Il y aura une partie en contrebas. On va déjà vérifier qu'il n'y ait pas de...
chose en périphérie ni une mauvaise surprise parce que... Non, pas grand chose pour l'instant. On y voit quelque chose. Jennifer's father. Ouais. Poor guy. Fusil. Oh, putain. Pauvre, il s'est buté. Pour l'instant, niveau construction, je suis bien. Je ne manque de rien. Pièce fermée. Livre de compétences. Oh, c'est cool ça. Ça, c'est cool. Deux points qui vont être très appréciables. Putain, j'aurais juré de l'avoir déjà dépensé ce point. Une note. Cher Jennifer, j'avais peur de remettre ça sur le tapis, alors j'ai décidé de t'écrire cette lettre. J'espère qu'elle te parviendra. Je pense que toi et ton frère, vous n'êtes plus en sécurité à la maison. Il y a quelque chose qui cloche chez Ed et on a peur qu'il vous fasse du mal. Il n'est plus l'homme qu'il était. Nous partirons demain et je pense que tu devrais réfléchir au fait de venir avec nous. On vous attendra jusqu'au coucher du soleil. Je t'écris avec les meilleures intentions qui soient. J'espère que tu comprendras. Fais attention à toi, Rose. Belle note. Continue notre exploration. Je crois que j'ai trouvé ce que je cherchais. Un tableau. Une boîte de crédit. Ah merde. Is that a map to your hiding place, Patrick? D'accord. Allez à la cachette. Malin. Donc ça nous a donné une nouvelle destination qui est ici. L'ennemi.
récupère les restes de mon... Alors par où est-ce qu'on accède à... Peut-être grimper plutôt. Ouais, mais c'est qu'on peut pas grimper comme ça. Mais... Ah ça va. Et quand même il y a l'air d'il y avoir quelque chose là. C'est bien que cette affaire. Dans le camion. C'était juste à côté. Pourquoi j'ai cherché compliqué? Elle est un peu en lévitation, la batterie. Hein. Je sens qu'on se rapproche. C'est un artiste, ce petit. Bien vu qu'il y avait un accès et quelque chose en hauteur. That's quite an imagination ouais. You've got there, Patrick. C'est clair. Mais voilà les craies. That should do it. Craie activée. Activité pardon. Bien. Un peu d'XP. On a notre objectif, sachant qu'on a encore un avant-poste à pirater après. Vérifier qu'il n'y a pas de Terminator parce que faut quand même mal hein. Si on n'attaque pas le premier ils peuvent nous éliminer. That's the last one. Good job with these pictures, Rivers. We're one step closer to preparing a counterattack. I'm starting to see why Skynet isn't so fond of you. Now
get your ass back to the shelter. Donc là... Ah oui, on a deux sorties possibles. De toute façon, il faut qu'on aille là-bas. Les choses s'améliorent. Le moral de notre communauté n'est pas très bon depuis qu'Ed a décidé de verrouiller le sanctuaire. Le groupe compte un nouveau membre. Ça devrait améliorer la situation, du moins je l'espère. Elle s'appelle Erin et je crois qu'on a beaucoup de choses en commun. Elle est doctora... Docteur, ouais, c'est marrant comment c'est écrit. Et je me considère comme un genre de soigneur spirituel, alors je crois qu'on va bien s'entendre. Je dois me rappeler de lui demander ce qu'elle a fait, quand les bombes ont été larguées. Je parie qu'elle a une bonne anecdote à nous raconter. Nouvelle note. Attention, c'est bien chargé la zone là. Peut-être se le faire lui, hein. Rentrer quand même. Yes. C'est même mieux que... Voilà, tout est à moi. Oui, c'est vrai, l'explosion, mon dieu. Putain. Exterminé, maintenant on peut sortir. Alors qu'est-ce qui est le plus rapide? Pas
peut aller par là, on ira voir ce qu'il y a ici, puis on retourne là. Juste faire attention qu'il n'y ait pas de Terminator sur notre chemin. Et bien, une sacrée mission, hein. Forcément, le fait de faire toutes les quêtes annexes, ça rallonge un peu la partie, mais je trouve que c'est quand même vachement plus sympa. Qu'est-ce qu'on a ici? Des ressources. Waouh, quel long plasma. Alors là, ça rigole pas. C'est pas ça que je voulais faire. Dégâts. Voilà, là c'est mieux. Faire mal avec ça. Hein. Il semble qu'on était déjà passé par là. Ouais. C'est ouvert. Jacob, how is Pasadena? You know what? Forget I asked. I don't want to know. I'm just glad that you're all right. And how are you doing? I guess I'm a little nervous before tomorrow. Alors, est-ce que tu as décidé ce que tu voulais faire? I never asked you. What are you planning to do tomorrow? I've been meaning to tell you earlier, but I panicked. And that's because I decided to go with Ryan. We'll find somewhere safe, away from all this. You have to understand, I need to do what's best for Patrick. I'm his big sis. I need to protect him. I haven't told him yet. He'll be devastated leaving you and Aaron, but I think it's for the best. Aren't you curious about what happened in Pasadena?
No. I think I'd rather keep that place in the past. Actually, I have a confession to make. I've never been outside of Pasadena until now. Can you believe that? Pas terrible pour une pillarde, c'est pas très cool. Comment est-ce possible? Ce n'est pas étonnant après tout, c'est là que se trouve ta maison. That's not surprising. After all, that's where your home is. Where it used to be. Right now, I'm going to try someplace new to call home. I did my traveling through pictures and postcards that wanderers brought with them. My favorite had a little flamingo drinking water from a lake on it. Its long red neck curved like a snake. Patrick's mother gave me that postcard. It's funny how I never met my mother, but I was around to see Patrick's leave him. Je pensais que Patrick était ton frère. Toutes mes condoléances pour ta mère. I'm sorry to hear about your mother. Don't be. I had a pretty good childhood, apart from the nuclear holocaust and all. I remember the day Patrick's mom brought him in. They were both tired and dirty, so we took care of them. Patrick was crying a lot. He was teething at the time. I think that was what scared her away. She just couldn't handle the crying. Alors, comment était-elle? Je suppose que moi aussi j'aurais eu peur. Est-ce que tu lui en as voulu? How was she? I loved her. For the time she was with us, I liked to pretend she was my mother too. After she took off, I was devastated. But my father said, "You need to grow up. You have a brother now." So I burned the postcard. The little red flamingo flew up in flames. And I promised myself I'd never be weak again. But I guess we all need someone we can be weak with sometimes, don't we? Wolfie. Ça va, tout le monde dort, il y en a qui risquent leur vie, les autres y roupillent. Dodo. Wake up. We need to move. What's going on? Everyone, wake up! You need to get out of here. Who the fuck are you? It doesn't matter. What matters is that you can't stay here any longer. She asks a question, and I suggest answering. You don't want to do that. I've got this place rigged with explosives, and there's a detonator in my pocket. You got what? Do you mind? Lower your gun, Ryan. He's the one that saved my life. What do you want from us? You have to get out of here. Skynet's on its way. They finally found you. What do you mean, they found us? They were looking for us? Not for you. For him. He's essential to winning this war. Skynet knows that. That's why they've been following him for months. I have to make sure nothing happens to him. In a couple of minutes, an infiltrator will walk in here trying to kill him. I can't let that happen. We have to bury that Terminator here once and for all. All right, everybody, you heard him. Let's get moving. I'll get the bus ready. There's no time for that. There's a passage here. It will lead you out. Use it. What was that? All right, everyone, get out! Jacob! Give me that. It's the same one. It's the same model. Leave! Now! How the hell's he still alive? Go! 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 Watch out! Oh. Don't just stand there! Run!